Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du marché de Sadavod. Alors, cette vidéo est assez sensiblement la même que ce que l'on a pu voir concernant les marchés de Danilovski et Ousatchovski, c'est-à-dire que cette vidéo est en deux parties. La première partie est dédiée à l'histoire du marché de Sadavod et ensuite la deuxième partie, quant à elle, est consacrée à la visite. Il est très important aussi de rappeler que cette vidéo est donc filmée en intérieur, dans un établissement privé. Donc c'était assez compliqué par rapport aux mesures de sécurité qui étaient en place. C'est pour cette raison que souvent la vidéo est un peu trouble, bouge beaucoup, ou voire est même faite sous forme de vidéo discrète. Pour illustrer la partie sur l'histoire, je vais vous mettre tout simplement une vidéo de Moscou en format 4K sur laquelle je ferai apparaître de temps en temps quelques éléments pour illustrer ce que j'explique. Alors, parlons du marché de Sadavod. Le marché de Sadavod est un grand marché de vêtements essentiellement situé dans le sud-est de Moscou qui existe depuis le début des années 1990 et occupe aujourd'hui une zone de plus de 40 hectares et selon d'autres sources, cette zone s'étend jusqu'à 60 hectares. Le marché de Sadavod, aujourd'hui, occupe le site de l'ancien marché horticole avant la construction de ce centre commercial Sadavod. L'emplacement était occupé par une grande entreprise de serres qui était appelée Belaya Dacha, donc ça veut dire la Dacha blanche, sous la période de l'Union soviétique, qui produisait des légumes pour la ville de Moscou. Après la chute de l'Union soviétique, les serres ont été privatisées et les terrains ont été divisés en petites exploitations agricoles. Bien plus tard, le terrain a été racheté par le groupe de M. Nissanov pour construire ce marché que l'on appelle aujourd'hui Sadavod. Selon le site officiel, c'est le 31 janvier 1997 qu'il y a eu l'enregistrement du marché de Sadavod. Il faut bien savoir que dans les années 90, beaucoup d'exploitations commerciales ou industrielles en Russie n'étaient pas enregistrées et étaient faites de manière un petit peu illégale ou dans le noir. C'est pour cette raison que l'on a juste comme information, il s'agit simplement de l'année 1997, qu'il y a eu l'enregistrement de ce marché. Or, d'autres sources nous indiquent que cela remonte au moins à 1992. Le remplissage de l'assortiment a commencé à partir donc de 1997 avec des produits pour le jardinage et pour les dachas, donc des graines, des matériaux de plantation, des plantes d'intérieur vivantes. Et c'est pour cette raison qu'on utilise le nom Sadavod, qui est un petit peu comme l'équivalent du mot jardinier en France, sachant que le mot sad en Russie veut dire jardin. Il est très important de noter que l'activité de jardinage et des dachas est très importante en Russie, et notamment surtout dans les années 90, car il y a beaucoup de personnes qui ont une dacha, et lorsqu'il y avait des difficultés économiques, eh bien beaucoup de personnes ont fait de la culture, donc de légumes, de fruits, mais également de fleurs. Donc en Russie, l'activité des dachas est un très gros business. Donc, dans sa forme originale, le centre commercial Sadavod, c'était tout simplement un petit complexe d'échoppes et d'étals avec des articles, des marchandises de jardinage qui étaient à destination de ce que l'on appelait les dachniki, ce qu'on appelle toujours les dachniki en Russie, les personnes qui ont une dacha. Et le temps a passé, ce marché s'est fortement développé dans les années 2000, pour progressivement se transformer en ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le plus grand complexe de Russie qui vend des biens de toutes sortes, allant aussi bien de l'habillement, de l'électronique, des équipements pour la maison, mais aussi pour les dachas. Et donc aujourd'hui, eh bien le nom de Sadavod n'a absolument plus rien à voir avec l'activité de cette entreprise, car ici on vend plus de vêtements et d'accessoires aujourd'hui que des outils de jardinage.
Parlons un petit peu de l'évolution donc de ce marché. Nous avons vu qu'il a été ouvert officiellement en 1997, et donc c'est en 2001 que le plus ancien et le plus grand marché aux oiseaux de Russie a déménagé dans le centre commercial de Sadavod. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux, et vous allez le voir dans cette vidéo, même si c'est en hiver, on a pu quand même constater. Aujourd'hui, il existe donc des pavillons modernes et confortables avec tous les équipements nécessaires pour garder les animaux, les stocker, et vendre également des aliments, mais aussi des jouets, des accessoires, des vêtements et des biens pour des activités en plein air comme le tourisme. Aujourd'hui, quand on parle de Sadavod, en termes de chiffres, eh bien Sadavod, c'est 8000 boutiques. Chaque année, c'est 36 millions d'acheteurs qui se rendent à Sadavod. Il y a 10 000 places de parking et par jour, c'est environ 100 000 visiteurs qui se rendent à Sadavod. Dans Sadavod, les produits proposés sont directement par des représentants d'usines, des représentants directs et d'industries diverses qui sont originaires de Russie, de Biélorussie, de Turquie, de Pologne, de Kyrgyzstan, mais surtout de Chine, beaucoup de produits de Chine. Sadavod, en fait, quand vous allez là-bas, c'est une vraie Babylone. Il y a toutes les nationalités. Il y a des Russes, des Biélorusses, des Afghans, des Tadjiks, des Kirghizes, des Chinois, des Vietnamiens, des Azerbaïdjanais, des Turcs et même des Sud-Coréens. Le marché de Sadavod fonctionne tous les jours, absolument tous les jours. Et le seul jour de l'année où vous ne pouvez pas aller à Sadavod, eh bien, c'est le 1er janvier. Il existe des bus gratuits qui emmènent directement donc les acheteurs depuis les stations de Kouzminki, de Vekhino. Il faut également savoir que le complexe commercial Sadavod fournit régulièrement, en parallèle de ses activités commerciales, eh bien une assistance aux groupes de populations socialement non protégées. Il y a des aides qui sont fournies pour les enfants dans les orphelinats, des familles nombreuses et des personnes âgées. Nous avons parlé ici de l'histoire de Sadavod, qui est assez courte, puisque c'est un événement assez récent dans l'histoire de la Russie. Parlons maintenant du propriétaire de Sadavod. Il s'agit donc de Monsieur God Semyonovitch Nissanov. Il est né en 1972 dans un village d'Azerbaïdjan, dans une famille de juifs montagnards. Son père était directeur d'une conserverie et il a reçu sa première expérience managériale à l'entreprise de son père en agissant en tant que directeur. Par la suite, il a participé aux affaires liées au transport et à la vente de produits pétroliers et c'est en 1992 avec son ami Zahar Iliev qu'il s'est engagé dans une entreprise liée au commerce de gros. Et c'est pour cette raison que je vous ai expliqué en introduction qu'on avait l'information comme quoi Sadavod aurait été enregistré en 1997, mais beaucoup d'informations tendent plutôt à dire que Sadavod a commencé en 92 à l'arrivée donc de M. Nissanov. La suite, eh bien, on la connaît. Donc, il ouvre Sadavod et puis investit alors dans différents business immobiliers en Russie et dans différentes républiques de l'ex-URSS. Il fait partie, selon Forbes, aujourd'hui des rois de l'immobilier avec des revenus annuels de la location immobilière estimés à 8 milliards de dollars. Selon Forbes, la fortune de God Nissanov serait environ entre 4 et 5 milliards de dollars. En 2014, le président russe Vladimir Poutine a décerné à God Nissanov l'ordre de l'amitié avec la mention pour sa grande contribution à la mise en œuvre de projets économiques et à l'attraction d'un fonds d'investissement dans l'économie de la Fédération de Russie. Le 6 juin 2016, God Nissanov, par le décret du président de l'Azerbaïdjan
Ilham Aliyev a reçu l'ordre pour le service à la patrie du 3e degré pour les mérites dans le domaine du renforcement de l'amitié entre les peuples. Petite ombre au tableau, lorsqu'il y a eu le conflit en 2022 qui a débuté entre l'Ukraine et la Russie, eh bien en 2022-2023, M. Godnissanov a été mis sur la liste des sanctions américaines, britanniques, canadiennes, de l'Australie, du Japon, de l'Ukraine et de la Nouvelle-Zélande dans le cadre de ce conflit. Je ne commenterai pas ces décisions concernant la mise en place de sanctions à l'encontre de M. Nissanov, les raisons étant étroitement liées à des conflits géopolitiques et donc très loin des objectifs de cette chaîne YouTube. En ce qui concerne les anecdotes que je peux vous raconter sur le marché donc de Sadavod, eh bien, il y a quelques informations très intéressantes. Le marché de Sadavod est tellement grand qu'il est nécessaire pour s'y retrouver d'utiliser un plan. C'est absolument impossible de visiter ce marché sans avoir une carte et vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo. Le marché de Sadavod est réputé pour ses prix extrêmement abordables, mais il est également connu pour être un endroit facile pour se faire arnaquer. Donc les visiteurs doivent faire preuve d'une très grande prudence lorsqu'ils viennent acheter sur ce marché. Et bien évidemment, la garantie n'existe presque pas, c'est-à-dire si vous avez un article qui ne vous convient pas, eh bien ça va être très compliqué le lendemain de retrouver le vendeur, de revenir même un mois plus tard pour faire part de sa insatisfaction. Les commerçants du marché de Sadavod sont connus pour leur grande capacité à négocier les prix. Les visiteurs qui souhaitent acheter des vêtements en gros peuvent souvent obtenir des prix encore plus avantageux en négociant directement avec les vendeurs. Enfin, le marché de Sadavod, alors ça c'était une petite découverte de mon côté, a été également le lieu de tournage de plusieurs films russes, notamment le film Boomer, qui est un film action sorti en 2003. Alors faisons une petite parenthèse très très brève sur le film Boomer. Le film Boomer, eh bien, ça vient du mot boomer qui est un argot russe pour dire BMW. C'est un petit peu comme quand on est en France et qu'on dit Merco ou Benz pour parler de Mercedes. Eh bien, en Russie, boomer désigne une BMW, très souvent une BMW noire qui est recherchée par les racailles et les bandits. Le film Boomer est culte en Russie. C'est un film d'action qui est sorti en 2003, a été réalisé par Piotr Bouslov. C'est l'histoire de jeunes criminels qui effectuent des vols de voitures à Moscou. Et il est un petit peu dans la logique du film Brat aussi, qui veut dire frère, qui a été sorti, qui est sorti à cette époque-là pour parler des jeunes criminels à la chute de l'Union soviétique. Je vous conseille vivement de regarder ces deux films qui font une marque assez importante sur cette génération et qui donne un projecteur assez intéressant sur la Russie et reflète bien un petit peu les années 90-2000. La particularité du film Boomer, c'est surtout la mélodie du film, dont une partie de cette mélodie a été faite en polyphonique, style téléphone portable du début des années 2000, et ça correspond assez bien à ce qui existait à cette époque et qui a fait aussi une grande particularité donc de la popularité de ce film. La mélodie a eu un effet viral sur tous les jeunes russes des années 2000, mais aussi des anciennes républiques de l'Union soviétique, et qui ont mis cette mélodie de téléphone portable sur leur mobile, et ce qui a permis donc aux créateurs de cette mélodie de gagner l'équivalent environ $1 million grâce à cette mélodie. Écoutez-la plutôt. We'll be right back.
la parenthèse sur le film Boomer étant fermée, on passe à la visite. Alors, à Moscou, depuis les années 90, ont apparu de nombreux marchés, on va dire un petit peu sauvages, où on pouvait trouver beaucoup de produits chinois, de produits importés. Et c'est ce qui a permis, en quelque sorte, à une grande partie de la population, très pauvre dans les années 90, de pouvoir un petit peu subsister. Et l'un des plus populaires se trouve en face de moi. Il s'agit du marché Sadavod. C'est un marché couvert. Alors, en Russie, tout le monde connaît, je pense, Sadavod. Peu importe la région, tout le monde en a entendu parler. C'est le plus grand marché de Russie, le plus grand marché couvert. Par jour ici, il y a environ plus de 100 000 personnes. Il y a des bus qui viennent, il y a des gens qui viennent de toute la région de Russie ici acheter des produits à Sadavod. Donc on va trouver vraiment plein de choses. On a des gens qui viennent voilà, tout simplement de Moscou, des régions environnantes pour acheter pour leur famille. On a d'autres qui font du commerce de gros, qui viennent de régions approvisionner des marchés dans les régions. Et on a carrément donc des fournisseurs qui vont venir jusque de Chine pour apporter tous ces produits. Donc ici, on va retrouver énormément de choses. On a beaucoup d'articles. C'est une surface immense. Ici, on peut trouver aussi bien des chaussures, des vêtements, des animaux de compagnie que on va dire de la contrefaçon, des réparations de téléphone. À Sadavod, il y a tout. C'est le plus grand marché de Russie et on va aller voir ça tout de suite. Sadavod, c'est énorme. Là, on a au total, on peut voir donc le corpus A, le corpus B et donc le marché à ciel ouvert. Donc là, nous, on est dans le corpus B. On va faire une petite visite rapide parce que c'est le dernier qui a été monté, donc le plus moderne. Puis après, bon, on va aller dans le A et puis ensuite voir un petit peu le marché historique de Sadavod. Alors, à Sadavod, on peut trouver vraiment de toutes les marques qu'on a. On peut trouver aussi bien du Lacoste, du Tommy Hilfiger, du Calvin Klein. Il n'y a pas besoin dans les boutiques officielles pour trouver tout ce qu'on veut ici. On a bien compris qu'ici c'est de la contrefaçon, il y a énormément, mais il y en a pour toutes les bourses. Donc on va retrouver des marques comme Nike, comme Lacoste, comme Calvin Klein. Et sans compter également à des casquettes et des bonnets de marque comme également comme Hyundai, comme Audi. Donc c'est des articles, bien évidemment, qui ne sont pas des articles officiels, mais on va retrouver aussi dans Sadavod, on peut retrouver l'équivalent un petit peu de fourrure. Donc on va trouver beaucoup d'articles de, on va dire, premium, voire luxe, mais à des prix très accessibles. Voilà donc les différents manteaux qu'on peut acheter à Sadavod. Il y en a de toutes les couleurs. Et donc, c'est des manteaux de fourrure. Et pas besoin d'aller à la boutique Louis Vuitton à Paris pour trouver un petit manteau Louis Vuitton en fourrure. Alors, on continue toujours, on a donc du Moncler, alors de North Face également, mais aussi on va retrouver donc l'équivalent de Burberry ou alors de Canada Goose, et bien sûr toujours à des prix défiant toute concurrence, et je ne parle pas ici de Gucci. Donc je vous ai montré qu'il existait déjà plusieurs grandes marques de luxe, de vêtements qui sont copiés ici, mais voilà, il faut dire que dans ce marché il y en a partout. On va trouver aussi bien donc des costumes
que des vêtements fashion, donc aussi bien Fenty ou alors Louis Vuitton ou Armani, etc. Mais on va retrouver également donc des petites boutiques pour réparer des téléphones ou alors trouver des coques ou encore des sacs à main, de la bagagerie, etc. Alors bien évidemment, hein, toutes les marques qui sont présentes ici ne sont pas des marques originales, mais voilà, c'est ce qui fait la richesse de ce lieu en fait. Et dans une des allées de Sadavod, on peut également trouver tout ce qu'il faut pour la cosmétique, pour le maquillage, voilà. Bon, et effectivement, hein, ça se passe de tout commentaire, mais voilà. Il y en a pour tout le monde à Sadavod. Franchement, c'est très difficile de sortir de Sadavod les mains vides, parce qu'il y a vraiment tellement de choses dans ce centre commercial. Il y a tellement de boutiques avec des styles absolument différents. On va trouver aussi bien, donc, comme je vous ai montré, des costumes, mais on peut trouver des nappes, on peut trouver des faux ongles, de la laque, on trouve vraiment de tout en fait. Et donc c'est un petit peu l'idée de base en fait de l'ouverture de ce magasin, de ce grand centre commercial Sadavod, c'était de pouvoir regrouper en fait tout ce qui est possible d'être vendu, de le vendre ici en fait. Vous voyez, par exemple, ici, on va retrouver également, encore une fois, des costumes. Et en plus, plutôt sympathique quoi, au niveau des coloris. Alors, bien évidemment, hein, ça va être, c'est un petit peu d'une autre époque. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut faire l'affaire quand on habite en région, par exemple, et qu'on n'a pas vraiment les moyens de s'acheter des costumes italiens ou des costumes français. Eh bien, on peut trouver voilà, des costumes, un style déjà, quelque chose un petit peu sympathique qui dénote. Donc, comme je vous ai dit, là, celui qu'on vient de voir, ce bâtiment, ça, c'est le bâtiment B de Sadavod. Et donc, dans le bâtiment B, il est sur plusieurs étages. Hein. Ici, je crois qu'on a jusqu'à 3 étages. Et on a, en plus, des petits cafés. Voilà, il y en a au total 6 dans Sadavod. Et justement, voilà, on peut venir ici, en général se restaurer avec des plats à des prix pareils, très peu chers, on va dire, pour Moscou. Donc voilà, en général, c'est de la cuisine assez orientale. Beaucoup de plats géorgiens ou d'Ouzbékistan qui sont ici. Et puis, on peut justement se réserver une petite table et se poser là juste après ses courses. Voilà ce qu'on peut trouver également à l'extérieur. Donc beaucoup de jouets aussi, de peluche, mais aussi voilà des bouées. Bon, même si c'est pas vraiment la saison. Pas mal de jouets pour les enfants. Donc vraiment des énormes magasins de jouets avec les peluches à des tailles XXL. Alors là, on est dans le corpus A. Donc ça, c'est le corpus qui est un petit peu plus ancien. Mais c'est pareil, voilà, c'est un corpus qui est couvert et on peut toujours trouver un petit peu toujours la même chose. Donc vraiment, ce qui est ici le plus impressionnant, c'est la fripe, quoi. Il y a énormément de vêtements, donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver. Et on va vraiment trouver de tout, hein, en fait, tout ce que les gens veulent aujourd'hui, les marques les plus populaires, on va les retrouver ici dans le corpus A. Bon, qui veut un sac TikTok? Voilà, donc ça aussi très populaire. Et on va retrouver également beaucoup de sacs de marque. C'est-à-dire que si vous voulez faire un cadeau, vous pouvez les faire à Sadavod.
et également acheter le sac qui va avec en fait. Et donc c'est des sacs de marque. Donc pas besoin d'aller en France hein, pour aller acheter des marques de luxe. On va trouver également Gucci, on va trouver du Michael Kors et du Louis Vuitton. Voilà. Christian Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, Fendi, Christian Dior Paris. Voilà, on a vraiment tout ce que l'on veut ici. Des sacs Prada. Voilà, donc bienvenue à Sadavod. Vous avez du choix au niveau de la maroquinerie. Voilà, si vous voulez vous équiper en tenue militaire, eh bien à Sadavod, on peut trouver également des vêtements de l'armée ou des vêtements de pêche, des vêtements de chasse. En fait, on a tout ce qu'il faut ici en termes de vêtements. Donc ça rappelle vraiment ici, on va avoir plutôt la partie un petit peu armée et là un petit peu plus la côté pêche et chasse à Sadavod. Bon, on est au deuxième étage de Sadavod du Corpus A. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ben toujours. Hein. On continue. Beaucoup de chaussettes. Beaucoup de gens qui nous ont proposé d'acheter des chaussettes ici. Ah ouais, carrément. On va avoir même des vêtements. Pour la médecine, mais également des vêtements de cuisine. Donc voilà, peut-être des vêtements un petit peu plus de jardinage. Une idée un petit peu de tout ce qu'on peut avoir ici. Au niveau des maillots de bain et des dessous. Voilà, si on doit résumer Sadavod, c'est surtout avec ses diables et ses gros sacs en toile de jute ou pour transporter des énormes quantités, soit des pays qui exportent, soit plutôt dans les régions pour ceux qui importent pour les marchés. Voilà, donc tous les articles, si on veut s'habiller également en militaire avec les écussons. Voilà, des petits porte-clés, des médailles. Des petits rubans de Saint-Georges. Mais aussi si on va se faire passer pour un policier. Donc, si on veut un sac de chaussettes Adidas, il y a le choix. Alors, voilà, on peut trouver même des chaussettes Pepsi, Nutella, Fanta, Oreo, Mars. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Waouh! Kit Kat, sneakers, génial, M&M's. Bon, toujours des fourrures. Et là, en fait, là, on rentre vraiment sur la partie un petit peu historique de Sadavod, la base de la base. Donc, c'est un marché qui est couvert ici, mais il fait quand même beaucoup plus froid que l'autre. Donc, voilà un peu Sadavod.
des pavillons à perte de vue. Et on peut encore une fois retrouver tout ce qu'on veut au niveau... Donc là, on voit, vous voyez, écrit en gros « Adiejda, 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 Adiejda ». Donc ça veut dire « vêtements » en russe. Donc il y en a vraiment sur toute la longueur et à des prix tous défiant toute concurrence. Voilà, donc là on est sur la partie sac de Sadavod. Et vous voyez, donc là sur toute la distance, on n'a que des boutiques qui vendent des sacs. Alors, ça se passe de tout commentaire puisque c'est que des sacs de marque. Boss, Louis Vuitton, des sacs imitation Croco. Voilà, on a beaucoup beaucoup de marques étrangères. Mais on va avoir aussi des sacs, voilà, plus des sacs militaires, des sacs de sport ou alors simplement des sacs pour le travail. Que des sacs, que des sacs, que des sacs. Alors, énormément d'imitations. Et vous voyez, donc là, c'est juste une petite boutique. Imaginez, il y en a sur toute la longueur. Ah ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacs quand même. Il y en a partout. Karl Lagerfeld, Marc Jacob, Louis Vuitton, Louis Vuitton, beaucoup de Michael Kors, mais aussi du Prada, du Saint Laurent, Givenchy, beaucoup beaucoup de choix. Valise Louis Vuitton, sac Gucci. Que du Gucci et du Louis Vuitton. Il n'y a vraiment aucune utilité à aller à Paris. On a même du Louis Vuitton avec la NBA. Tommy Hilfiger, Nike. Kenzo. Alors là, par contre, on a quelque chose un petit peu mieux quand même. Un peu plus original. Fabriqué en Biélorussie. Là, c'est pas de l'imitation. Là, au niveau brillant et perle, on a du choix. Donc voilà, on a fait déjà un bon tour dans Sadavod. Alors vous avez pu voir, franchement,
au niveau des marques, il y a de quoi faire ici. Donc il peut y avoir des sanctions en Russie. Adidas peut partir de Russie, Nike peut partir de Russie, Louis Vuitton, Chanel, Dior, tout le monde peut partir de Russie. Heureusement, il y a Sadavod et à Sadavod, on peut trouver tout ce qu'on veut. Bon, bien sûr, c'est pas de l'original, on le sait tous, mais voilà, c'est à la portée de tout le monde et c'est vraiment assez incroyable parce que je pense que, bien évidemment, en France, il y a le, comment ça s'appelle, le marché des puces de Saint-Ouen. Qui va proposer la même chose. On va retrouver plein d'endroits aussi en France où on peut retrouver, mais là on, peut retrouver des contrefaçons, on peut retrouver des copies, mais là Sadavod c'est vraiment, c'est à peu près, c'est l'équivalent de ce qu'on peut tout retrouver en Chine, on peut le trouver ici à Sadavod, mais voilà, il ne faut pas dire que Sadavod ça se résume uniquement à la copie de sac ou à la copie de chaussettes Nike. Il y a énormément de produits qui sont fournis ici, qui sont de qualité, qui sont faits, on va dire, soit en Biélorussie, soit en Chine, soit dans d'autres pays qui sont limitrophes. Et au final, c'est pas, voilà, c'est pas simplement un centre de contrefaçon. Il y a beaucoup de contrefaçons, effectivement, mais on peut trouver, voilà, tout ce qui est nécessaire. Si vous voulez simplement trouver des draps, si vous voulez trouver un costume de bonne qualité, si vous voulez trouver des chemises, je sais pas, une valise tout simplement, pas forcément de marque, vous pouvez la trouver ici à Sadavod et la qualité restera, on va dire, voilà, correcte. On n'est pas non plus dans du haut de gamme, on n'est pas non plus dans du truc abominable. Voilà, il y a un rapport qualité-prix qui est raisonnable. Et ici, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui y travaillent. Ça court partout quand on est à Sadavod. Là, ce qu'on fait la plupart du temps quand on marche, c'est bien sûr éviter les clients d'un côté, mais éviter ceux qui font la logistique, qui se trimballent avec des chariots. Il y a les marchands de toutes les 5 minutes qui essayent de vous alpaguer pour vous vendre une paire de chaussettes, pour vous vendre un sac Vuitton, pour essayer de vous vendre un espèce de poudre, je sais pas quoi, un tissu, je sais plus où. Voilà, donc c'est assez incroyable. Et puis ce qui est vraiment, enfin, il y a pas de mots quoi. Quand on voit la taille du bâtiment, c'est juste énorme. Voilà, c'est vraiment vraiment énorme. Faut pas être allergique, on va dire, ici à mon avis, aux produits qui sont mis sur les vêtements, il y en a partout, ça sent le meuf, ça sent beaucoup. Et puis, énormément de personnes d'Asie centrale ici. Donc voilà, si vous voulez découvrir un petit peu, avoir une vision de quoi ressemble l'Asie centrale ou l'Asie de manière globale, et ben vous venez à Sadavod parce qu'ici, voilà, vous avez énormément de gens qui viennent de toutes les régions, beaucoup de gens qui viennent d'Azerbaïdjan, beaucoup de gens qui viennent d'Ouzbékistan, etc. Oh, mais regardez ça! Voilà, made in Italy, voilà, alors ça serait originaire d'Italie, soi-disant. Donc voilà, donc beaucoup de choses, franchement, et c'est pour ça, on peut mettre toutes les sanctions qu'on veut en Russie, mais tant qu'il y aura des endroits comme Sadavod, on trouvera toujours de quoi s'habiller et de quoi chausser avec des marques style occidental, ou tout simplement sans marque, mais à des prix raisonnables. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on avait vu les diables avec les sacs, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très typique qu'on va retrouver. Et puis là, on va aller voir dans d'autres marchés. Mais voilà, ça, c'est très typique de ce qu'on va retrouver. Des gros sacs, des gros ballotins comme ça, qui viennent carrément de Chine ou de pays limitrophes à la Chine, qui sont livrés par avion ou par bateau, ou par camion en fait. Et voilà, avec donc les poignées, on va dire, pour pouvoir transporter les ballotins. Et donc ça, il y en a partout dans Sadavod, c'est ce que vous voyez partout, c'est voilà, donc l'arrivage de gros. Alors là, on est dans la partie pour les animaux. Donc ça a l'air d'être vachement plus calme. Ah ouais. Waouh! Au niveau des poissons, ça en manque pas. Donc des bateaux de pêche.
Donc des aquariums. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Alors. Donc il y en a beaucoup qui sont fermées, mais je pense que parce que c'est pour la saison de la pêche que c'est plus actif ici. Parce que ici c'est surtout là où on va trouver tout ce qu'il faut pour les poissons, que ce soit en intérieur ou alors simplement pour la pêche. Donc il y a pas mal de choses. Énorme. Des aquariums partout avec des poissons de toutes sortes. Donc tout ce qu'il faut pour la pêche ici aussi. Bon, en Russie c'est très très populaire hein. Toutes les activités de pêche c'est à un niveau encore plus important encore qu'en France. Voilà, donc tout ce qu'il y a au niveau de la pêche. Puis là on va essayer de trouver un petit peu les animaux de compagnie. Donc là on a vu bon, des poissons, mais normalement ici on peut trouver des chiens et des chats. Donc on peut aussi à Sadawa d'acheter donc des souris, des petits animaux de compagnie, donc on va avoir des perroquets, mais aussi on va avoir donc des petits lapins ici partout, voilà, qui sont en train de dormir. Donc là on a des furets, voilà, et différents lapins, des furets, des lapins. Or là si on voit c'est quand même beaucoup plus fermé, je pense qu'en été quand même il doit y avoir un petit peu plus d'activité au niveau des animaux. Là il faut se dire qu'on est en Russie, il fait quand même très très froid là au moment où on filme hein. Donc à mon avis c'est pas tout le monde qui s'amuse à mettre des animaux en vente alors qu'il fait super froid. Ah, yeah. C'est un peu la crise du logement, mais vu qu'il fait pas très très chaud, je pense que dormir tous ensemble ici dans le coin, ça doit être pas mal pour avoir chaud quand même. Et là en dessous, on voit que des souris. Bon, si on sort d'ici sans avoir un Covid-25 ou un Covid-27 avec toutes ces bestioles, c'est qu'on a eu de la chance. Très important de noter que cette vidéo n'a pas été subventionnée par Conti Group ni Sadavod, donc il ne s'agit pas d'un placement de produit. Eh bien, cette vidéo sur Sadavod, le plus grand marché de Russie, se termine ici. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'articles et c'est un lieu extrêmement populaire, tout Moscou et dans toute la Russie. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder un autre marché, peut-être un peu moins important que Sadavod, mais tout aussi notable. Спасибо вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.